Hey man, Riz, man. It's your boy Canary back into the goddamn video, man. Hello. Hang memories. Alright, and I wasted time. That intro was very awful. Hey, I just want to jump straight to this video. We got a part two of Le Pire Stick. Nah, I'm gonna just shut up. I don't know what exactly. It's basically the worst intern. Yeah, a lot of y'all were asking me, like, how do I know what they're saying? This English translation in the video. You know what I'm saying? But yeah, let's continue. Sorry, to the last time. They bother like right lyrics. That boy said he'll slap the ass on the right. Je préfère que JNR ne copie pas sur moi. On y va. Combien de temps? 10 minutes. Je lance le chrono. I want to really see this. Don't see this nigga right. Allez, quand c'est bon pour vous, chacun va présenter son couplet. Allez, JNR, on t'écoute. J'ai dû gravir les échelons, comment s'emboîte les chaînes. Plus personne quand tu échoues, on n'a pas toujours le choix. Veux montrer ceux qu'ils ont pas, moi je leur montre pas tout ce que j'ai. Petit, personne va t'aider, concentre-toi sur tes projets. Maman me disait, va taffer, j'ai taffé dernier degré. Me reprends, je fais des progrès, déterminé à jamais. Me dis mieux qu'on les a mis, têtu comme Bernard Tapie. Pas un rond, j'ai été tapé, y'a un gars qui est lui. C'est top. Merci, merci. Trop cool. Allez, maintenant que nous avons ingurgité cette bouille infâme, veuillez savourer ces quelques verres qui sauront remettre à leur place les factices paroliers de la rap musique. Ah, c'est ça, on écoute. Oui. Allez, on écoute. À tous ces charognards qui traînent tard le soir dans les bars, sachez que vous êtes des ignares. What? Accueillez Louis, le nettoyeur de ces villes qui va débarrasser Paris de sa vermine. Vous connaissiez la bouillabaisse, vous connaissez maintenant Louis, le best. Écoute-moi bien, mon petit canard. Si tu as la dalle, il faut que tu quittes la capitale. Tu gagnes moins de 10 000 euros par mois, donc le vote. Tu ne devrais pas en avoir le droit, comme le dirait papa. Tu rêvais d'avoir ma vie, mais tu es à moins de 10. Donc, tu me donnes la syphilis. Alors, n'as-tu pas la trouille que maintenant ma caste te zigouille? Tu rêvais d'être un plus de 10. Malheureusement, ta famille, c'est de la pisse. Bravo, bravo. Je sais pas si tu visais quelqu'un en particulier. Je m'adresse à tous mes ennemis, les moins. C'est all my enemies. Ouais. C'est quoi le problème avec les personnes qui gagnent moins de 10 000 euros par mois? C'est ceux qu'il faut mettre en dehors de Paris. Ah ouais? Pourquoi? Bâtir une forteresse, les empêcher d'entrer. J'ai dit des trucs de fou. Ouais. Je pense que vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de 10 000 qui ne vont pas à Paris. J'ai pas envie de tout gâcher et de dire des trucs parce que. Non, mais. En vrai, de vrai, dès la première phrase, en vérité, moi, on serait en vrai, il n'y aurait pas de caméra, il n'y aurait rien. Mais sérieusement, Sophie, dès la première phrase, je ne serais pas passé comme ça. Et vous ne comprenez pas, vous n'avez aucun goût d'effet. Vous êtes des pros, vous êtes mieux, vous êtes déplacés, là, il va trop loin. Tu es de fou, contexte, tu es trop de fou. Et quand tu es débranché, t'as disque censé appartenir à l'IS, l'ingénieur du son de JNR. L'IS est bien sûr complice du piège. Et ce que JNR ne sait pas, c'est que ce disque a été acheté par nos soins et l'IS y a simplement copié les sons de JNR. Donc je propose, nous remettions la musique de JNR à sa place, c'est-à-dire aux ordures. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi? Aux ordures. Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Yo! Expliquez-moi, il joue à quoi là? C'est quoi ça? C'est quoi des dire mes sons? Mais attends, mes sons! Attends quoi, wesh? Eh, depuis tout à l'heure, je me calme. T'as vu, il y a la télé, je suis tranquille, je suis à l'écoute. C'est quoi ça? J'ai voulu que nous nettoyions la crasse que nous avons entendue. C'est quoi la première? Ça y est. Vous rechanterez. Yo! Ce n'est rien, c'est du matériel. T'approches pas de moi. Ah, il est au téléphone avec moi. Ouais, je sais pas s'il est entré, le stagiaire en fait il a débranché son disque dur et il a foutu par la fenêtre. Ouais, faut lui expliquer là, l'IS. On n'a pas quoi lui dire. L'IS. Eh, on dirait, je suis dans un rêve, frère. Mais ça n'a même pas dream. Je pensais que c'était confiance. Je vais dire, monsieur, bonjour. Je suis celui qui a jeté le disque dur par la fenêtre. Je pense que ça va. À partir d'une base nouvelle, il va faire mieux la prochaine fois et vous me remercierez. Finis de m'amasser. Allez. On peut commencer à descendre, de toute façon on descend pas à deux, c'est mieux, je sais mieux, je descends pas avec lui, c'est mieux. Ah ouais, c'est qu'il ne peut pas aller là-bas, il ne peut pas aller là-bas, il va fucking kill him. On va aussi imaginer qu'il va monter à l'arrière avec Louis. Parce que bah, encore une fois, c'est sur vous deux, donc Ah bah mon cher JNR, dans vos clips, vous faites le malin avec votre grosse berline. Dans la vraie vie, vous vous contentez d'un taco périmé, une vieille guimbarde. On se retrouve sur le tournage du...
Du parking Alors, je veux bien être conciliant et monter dans cette charrette d'ouvrier, mais j'aimerais émettre une petite requête, que l'on m'apporte une serviette pour mettre sous mon retard. Je préfère ressortir de cette voiture avec des morpions sur les roubignoles. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça sent bien. T'es un bon, c'est qui? Après, c'est lui. Ce périple ne manque pas de fort début. I gotta give it to JNR for being so patient, cause I don't think I can be this patient. Fuck the cameras, bro. Like, fuck everybody. You guys will delete every clip, everything. Like, I will fuck that nigga up, and you, I will make sure they delete every single clip. What? J'ai une ceinture, mon gros lapin. This is my fat buddy. Ça va pas aller, gros. Si tu continues, ça va pas aller. Je sais pas, français. Si tu continues, ça va pas aller. Je sais pas si c'est pour toi, si c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Mais tu sais pas, mais tu sais pas. Don't touch me. Ce que je voulais vous dire, c'est que. I need to touch you again. C'est amical. Oh, he says friendly when I do that. Je sais que vous avez pour habitude de démarrer sans clé. Grâce au contact. Mais là, ce serait mieux d'avoir une clé. Sinon, je préférerais pour l'occasion. Alors, mon cher GNR, je me dis que finalement, cette rencontre épicée a du positif et qu'elle nous conduit vers du mieux. Épicée. Bah, je veux dire, vous êtes tous colorés par rapport à moi. Ah, c'est bien pour ça que t'as dit ça. C'est ça va aller très vite. It's gonna go very quickly. Et d'ailleurs, mon cher GNR, maintenant que nous sommes dans l'intime, ne me touche pas. Maintenant que nous sommes dans l'intimité entre hommes, est-ce que vous pouvez me dire si la légende à votre sujet est exacte? Quelle légende? Est-ce que vous avez un grand sexe? Ça va trop loin. La question peut vous surprendre, mais il faut que vous sachiez que lors des dîners mondains, le sujet revient souvent sur la table. Alors, tante Francine, elle est systématiquement dans le camp de ceux qui réfutent la théorie. Elle nous a confié encore l'autre soir avoir déjà chevauché une coupe de black. Et apparemment, ce n'était pas si concluant que ça. Non, moi je n'y touche pas, c'est ma tante. Je ne suis pas du Nord. Wait, did he just say... Et vous, elle vous régale? Non, moi je n'y touche pas, c'est ma tante. Je ne suis pas du Nord. Il est bon, oui. Mon cher GNR, que je ne vous ai pas tant parlé de mes hobbies. Est-ce que je vous ai parlé de mes après-midi de chasse en diablé avec papa? Regardez comme ce sifflet reproduit admirablement le cri d'un canard en rut. Vous notez? L'illusion est parfaite. Si vous fermez les yeux, vous entendez ce bon vieux Daffy piailler dans vos oreilles. Arrête, trucs que j'ai pas aimé. Bah, dis, les trucs que. Pas passé. Pas du respect, justement. Si ton père est bien éduqué, tu peux être dans la rue, tu peux être de bon quartier, mauvais quartier. Des choses que tu dois pas dire. On est tous pareils, tu bois de l'eau, tu bois de l'eau. Why don't they have English translation? He keeps touching him, oh my god. Like, that shit, if I tell you stop touching me, you keep touching me. That's one thing that, like, it pisses me off so much. Like, I'll slap you, like, stop touching me, nigga. Like, if I tell you once, stop touching me. Like, don't touch me. It's simple. Oh my god. I give it to JNR. He has, he's calm. He's patient. Like, he's really patient. For real, for real. Our boy JNR deserves an accolade for how patient. J'ai un peu bombé le torse. J'ai fait un peu le fier coq tout à l'heure. Hein, mais j'étais quand même impressionné par ce que vous avez écrit. Sympa. Merci. Ça n'est pas le niveau de mon texte. Simplement. T'es déjà percé, hein? Bah, avec des paroles comme ça, ça va être dur, hein, de percer. Ça va te faire tuer avant de percer, toi. Je vous ai dit, hein, si jamais je suis séduit par vos prestations, peut-être que je vous mettrai en contact avec Pascal Ney. Pascal Ney? On va faire une scène de clip, j'espère que ça va bien se passer, hein. Ah bah, là, c'est sérieux, c'est bon clip. Ah. Ah, il va falloir rendre le permis à celui à qui vous l'avez volé. C'était rustique. Bonjour à tous. Antoine, t'as dit quoi? Ça va ton calme, ce moment-là? Comment? T'as dit quoi? Trop de stagiaires. Donc vous avez choisi un parking comme décor pour votre vidéoclip. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez faire fantasmer le pèlerin en choisissant un décor qui pue la pisse? Ceci dit, bon, ça représente bien votre état d'esprit. Les rats s'enterrent dans les sous-sols. Et vous êtes bien ici à votre place sur l'échelle sociale. Je sais pas si c'est marrant. Très bien, donc c'est vous le metteur en scène de tout ce cirque, j'imagine? Ce clip. C'est avec eux que vous travaillez. Le gang des chômeurs au travail. Et vous avez déjà fait des casses ensemble? Des casses? Oui, avec votre gang. Est-ce que vous avez déjà fait des casses? Quelles casses? Des banques? C'est pas de banque, hein, qu'est-ce que tu racontes? Ça, ce sont vos acolytes de braquage. Ah, t'es... Quel braquage tu parles? What? Je pensais. Eh, vas-y, lui. Je sais pas ce qu'il raconte. Vous, jeune homme, oui. Vous êtes un braqueur, par exemple. Non, non, pas du tout. C'est pas bizarre qu'il est, il est trop chelou. C'est un bourge.
Son père c'est un bourge, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Est-ce qu'il devrait avoir broken into the bank? La mèche, c'est un bâtiment sa mère. Personne ne touche à ma mère. Je vais rattraper du rouge sur Dieu, mes merdes. Et tous les mois j'ai rendu le salaire. Le cœur des gros, il n'y a plus de qui m'a fait. Je vais chez moi, à la peuse, à la peuse, à la peuse. Qui dit que j'ai la peuse. Arrête, tenez-le, on fait le clip, et après on réglera ça, c'est bon. Voilà, on renchaîne à chaque fois, on renchaîne, frère. Je suis en stage de rap, donc je rappe avec GNR. Remets-toi dans le clip, tu verras. Mais mon petit gars, je peux apporter un peu de fantaisie. Hey, ferme ta bouche. Mais mon gros lapin. Eh, hey, il revient dans le clip, je le punch. Vous avez pas gardé vos stagiaires ou c'est comment? Depuis ce matin, il me chauffe le crâne. Je sais que ça. Je sais pas de séquence avec lui, moi. Comme ça, ça le calme et après, il nous laisse enregistrer tranquille. Et comme ça, nous, ça nous fait une petite séquence. Il y a le stagiaire avec le maître de stage. Mais écoutez, mon petit canard. Parle pas avec moi déjà. Arrête de monter, petit canard. Arrête de parler avec moi. On fait une scène. On fait la scène, on fait vite, on fait 30 secondes. Le terrain, c'est pas comme ça. J'ai le goût du cœur à mes scènes. T'avances et tu rends mes love. Ça fait des heures que t'es mort. Ça fait des heures que ça rôde. Les types revoient la mort. Les cœurs font dans la merde. On peut rien mettre dans la masse. On trouve son corps à la messe. C'est un bâtiment, sa merde. C'est un bâtiment, et ça fait lui. Vas-y, attitude. Merci, c'était formidable de partager cette séquence avec vous. Eh, venez, on fait la dernière scène que Anthony l'a dit et c'est tout. Ça me casse la tête pour rien. On trouve son corps à la mer. Et dans moi, tu montes à la mer. La résine, le réseau, le théâtre, le bédo. Arrête de niquer les clips, frère. Arrête de tenir comme ça. Ouais, pas t'inquiète. Sur le grand frère. Son grand, tu prends ta pute, frère. Ouais, j'espère bien que tu vas partir. J'espère bien que je vais pas le revoir, frère. Mon équipe, on la touche pas. Mon caméraman, on touche pas. On touche pas mon équipe, moi. Quand on fait du boulot sérieux. Je sais, il est allé trop loin. Ah, tu prends trois au service des corrompus. Faites la farbelle au crime, moi je sors prendre l'air. Tu finis et on passe à la séquence suivante. Oui. Moi c'est l'eau. T'es l'eau, pas télé, frère. C'était Thor, c'est fini. France 3, au service des corrompus. Faites la farbelle au crime, moi je sors prendre l'air. Tu finis et on passe à la séquence. He said the news is promoting crime. Oh, attention. Voilà, je vais l'enculer. Ça y est, l'eau. T'es l'eau, pas télé, frère. C'était stagiaire, ça y est, y'a plus stagiaire. Ça y est, venons faire la scène. Vous regardez tous comme ça, venons faire la scène. Allez, voilà, ils sont ici. Excusez-moi. Elle a pris sur le vif. Vous voulez bien être dans la musique, s'il vous plaît. Les gars. Puisque la police n'a daigné faire son travail et se révèle incompétente, j'ai ramené un des voisins qui fait partie du syndic de copropriété. Donc je filme tout là actuellement. Je voudrais savoir qui vous a donné l'autorisation de tourner ici. Personne, et c'est bien ça le problème. Non mais vous êtes ici dans un lieu privé, monsieur. Je voudrais voir l'autorisation, s'il vous plaît. Ils ne l'ont pas. Je vous préviens, si jamais il y a une voiture qui a été rayée, ça va aller très mal. Il n'a rien. Je voudrais savoir qui c'est qui filmait là. Il est ici. Vous voulez qu'il efface ses images, demandez-le lui. Non. Vous l'effacez. On a fait ça propre. C'est un lieu privé, monsieur. Ah, c'est une très belle personne, ce monsieur. Et vas-y, allez effacer du coup. Je vous ordonne d'effacer, monsieur. Monsieur, vous effacez ça. C'est passé, c'est bon. Il n'y a plus rien. Monsieur, je vous félicite pour votre force de persuasion. Si la police française ou le gouvernement pouvait agir avec autant de fermeté, la France serait plus belle. Bravo. Allez, au revoir, monsieur. Allez. On remballe. Antoine, vous m'assurez bien que vous avez effacé les images? J'ai effacé, c'est bon, on y va. Allez. Quoi, t'as vraiment effacé les images, toi? Ouais, j'ai effacé. T'as vraiment effacé les images, là? Ouais, gros, c'est bon, vas-y. T'as vraiment effacé les images, là? Bien sûr que j'ai effacé. Mais gros, y'a plus rien, tu regardes, y'a plus rien, gros. J'ai tout effacé, c'est bon. Alors, on prend le compte. Ça y est, on va parler. Le problème, c'est que moi, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. On va prendre Louis avec nous dans la voiture, comme ça, ça va... Il y a vraiment des claques qui se perdent. Vous nous rejoignez au studio? Voilà, c'est un fou. Ouais, je suis comme être bon. C'est pas cher ce colis, là. Tu veux boire quoi, Julien? Rien. Tes fouteurs, il a cassé mon disque dur, il a jeté par la fenêtre, gros. Ils sont fous, frère. Ça te fait raciste et tout, ils sont fous, frère. He says racist. Ouh, that was getting hot. Raciste, frère. Prends de haut. Démègre les gens, en fait. S'ils font encore des actions, là, je vais démarrer. T'as vu les chéris, comment ils sont?
Ici, on est au studio Emit, studio où j'enregistre tous mes sons. Nah, we'll continue from there in the next one. Oh my god! good job from Greg though. He's doing a great job pissing this dude off. Woo! And you know, with all the cameras there, it's so hard to actually do what you want to do. Like, I'm pretty sure Junior wants to like beat the fuck out of that nigga, bro, but he really can't. Cause all the cameras and all those people holding him back, oof. Greg should be lucky. He should be counting his stars, man. But hey, see you guys tomorrow morning with the part 3. You guys know what to do. Go ahead and cop yourself a beautiful merch. Tispring.com/kingdom again. Get sexy with it. Stop playing with yourself. Woo! That's hard as fuck. I love you guys. I'll see you in the next video. Alright, let's get it. Hey! Hey! I think I drink too much, eh? I think I drink too much, eh? I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off? It's King Demian, this motherfucker. Where I come from, we don't talk much. We just want money, wanna stack it till we untuck.